Yo les joueurs, c'est la flamme, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Désolé pour ce petit bug, lol. Bon, alors pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de 10 pièges à faire avec ses amis. Alors je suis hyper content de vous faire une vidéo aujourd'hui déjà, parce que ça fait déjà 2 semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et voilà. Alors j'ai une petite surprise à la fin de la vidéo, donc ne quittez pas la vidéo avant la surprise à la fin. Alors pour ce premier troll, je viens ici et en fait je vais casser ce minerai de diamant. Donc hop, je vois un minerai de diamant, je me dis chouette. Bon, faut pas se douter qu'il y a un piège. Hein. Bon, donc là je cache, je me dis c'est quoi ça. Et là boum, tout explose et on meurt. Bon là je ne suis pas mort parce que je suis en peaceful. Donc voilà. Mais voilà. Alors pour ce piège, vous aurez besoin de diamants, de minerais de diamants, de roches, de TNT, de poudre de redstone et de torches de redstone. Donc, on va passer tout de suite au tuto. Vous allez vous faire un petit mur comme ceci. Donc, vous faites un petit mur comme ceci et au milieu, vous allez placer un minerai de diamant. Donc derrière, vous allez faire un mur long comme ça. Vous allez poser un bloc de roche ici, donc un bloc de roche ici, donc 2 écarts. Et ici, vous posez pas la TNT, pas du tout. Hein. Vous allez mettre une torche de redstone, mettre une poudre de redstone et mettre une torche de redstone. Donc ça va couper le courant. Ensuite, ici, vous mettez une TNT, une TNT qui est reliée dans le sol jusque l'endroit, voilà, ici, voilà, comme ceci. Vous pouvez cacher comme ceci, voilà, pour que personne ne voit, mais ça se peut dans une grotte, hein. Et cachez le bien parce que là c'est oui. Donc quand on va casser le bloc de diamant, la torche va se casser, il n'y aura plus de courant, donc la torche ne sera plus éteinte, elle va s'allumer, elle va activer la TNT et tout va péter, voilà. Donc on va regarder tout de suite. Je pète. On me dit c'est quoi ça? Vous pouvez cacher aussi, hein. Et là, boum, il y a tout qui pète. Voilà. Donc, on va passer au suivant. C'est parti. Alors, pour le prochain troll, nous sommes ici avec un panneau, pardon, marqué base sécurisée. Donc, par exemple, je vais me mettre en game mode 0. Voilà. Je suis en game mode 0. Et je me dis, bah, une base sécurisée, ça c'est cool. Il y a des pistons, il y a un système. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On va enlever ça tout de suite. Oups. Ok, bon, méchant. Bon, voilà. Donc, on va appuyer sur ce bouton pour la base sécurisée. Et voilà, on se fait littéralement défoncer la gueule. Donc, c'est... en fait, c'est tout simple. Mais c'est vraiment tout simple. Tout de suite pour le tuto. Alors, pour le tuto, c'est tout simple. Vous aurez besoin d'un bloc de commande. Alors, j'ai besoin d'un bloc de commande, d'un bouton, et c'est tout. Et la commande c'est /kill@sp pour le joueur le plus proche ou celui celui qui appuie sur le bouton quoi. Donc /kill@sp, vous mettez ça. Alors pour le panneau en couleur, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment avoir un panneau en couleur. C'est tout simple en fait, mais il faut avoir... Faut soit être sur un PC ou... Le plus facile c'est sur un PC. Donc sur PS3 ou sur PS Vita. Je ne crois pas que ça fonctionnera. Donc voilà. Vous pouvez faire genre qu'il y a une base sécurisée, voilà. Mais vraiment faire genre qu'il y a vraiment une base. Parce que c'est un petit peu bizarre comme ça. Voilà, base sécurisée, vous appuyez. Et vous faites littéralement défoncer la figure. Donc c'est tout pour ce petit troll. Nous passons au numéro 3. C'est parti. Alors pour le prochain, ce sera un petit troll avec une petite maison, mais vraiment hyper bien cachée. Une maison, vous décidez de rentrer dedans, et là, hop, je rentre dedans, et là, je tombe dans lui. Donc on va vite, voilà. Donc, c'est un petit troll, mais vraiment super invisible. Oups,
Où suis-je? Alors pour le suivant, il vous pour celui-là, pardon, il, pour le tutoriel, il vous faudra un piston, un répéteur, une redstone, une torche redstone, la matière dont est faite votre maison, et une porte en fer. Donc, une porte en fer, c'est mieux. Ah pardon, et une plaque de pression. Voilà. Donc, vous allez placer, vous allez faire un long couloir comme ceci, et placer votre porte avec votre plaque de pression. Sous cette plaque de pression, vous allez mettre une redstone et un répéteur, comme ceci. Donc on va bien dégager la zone. Ouais, on va vraiment bien dégager la zone, voilà. Donc, quand ceci est fait, le bloc, vous allez mettre une redstone par-dessus et emmener la redstone ici. Alors, vous allez mettre un bloc d'écart, donc ici, comme ceci. Voilà. Donc vous faites par rapport au couloir 1, 2, 3, 3 blocs. Et au troisième bloc, vous mettez un piston collant. Vous mettez le matériau qu'il vous faut et vous creusez tout en dessous. Voilà, ici, comme ceci. Donc c'est entre ces blocs-là. Ensuite, ici, là, vous allez mettre un espace ici entre eux. Vous allez mettre une torche redstone pour que ce soit activé. Ensuite, avec un répéteur, ici, vous mettez un répéteur et vous mettez le tout. Et quand on appuie, ça retire. Comme ceci. Et voilà, on tombe dans le vide. Oups. Voilà, alors vous pouvez faire un couloir ou je ne sais quoi à côté. Voilà, comme ceci. Donc voilà, vous faites une maison autour, voilà, comme ceci, et... Enfin, c'est vraiment dans votre maison. Quand vous avez fait ce système-là, vous pouvez camoufler tout autour, hein. Vous avez, il a plus qu'à rentrer et à tomber. Donc voilà. Et en plus, ça se referme, donc le système, vraiment très sympathique pour vos maisons, pour piéger. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, voilà. Donc on passe au suivant. Alors celui-là aussi est pour une maison, pour ce petit troll, vous aurez besoin d'une maison. Donc je suis en game mode 0, donc en survie, et je vais tout simplement aller dans cette maison, complètement raté, d'accord. Donc je vais dans cette maison et là, boum, je me fais tomber dans le vide. Donc voilà, je tombe dans le vide, allez, hop. Voilà, donc c'est vraiment très simple pour ce troll, on se retrouve pour le tuto. Alors pour le tuto, c'est tout simple, mais vraiment tout simple, mais vraiment c'est le truc le plus simple du monde. Vous devez faire en sorte que ça ait l'air naturel, le couloir de piston. Donc vous allez mettre un trou, et ici, avec le piston, vous allez faire ce système-là. Vous mettez une poudre de redstone, avec un répéteur vers le bloc là, mis à 3. Une poudre de redstone ici, avec un répéteur mis à tout seul, voilà. Et une poudre de redstone ici. Donc en fait, quand j'active, ça fait ça. Voilà. Comme ceci. Et donc en fait, avec le 3 tics, parce que si je mets un tic, ça va faire directement, regardez. Voilà, attendez, hop. Voilà, hop. Et le piège est raté. Si je mets à 2, ça fonctionne pas. Oups. Si je mets à 3, ça ne fonctionne pas non plus. Et si je mets à 4, ça fonctionne. Donc voilà. Et c'est très important. Et ensuite, vous recouvrez le tout. Comme ceci, voilà. Enfin, c'est la manière dont vous voulez, en fait. Donc voilà, vous recouvrez comme ça. Voilà. Enfin, on s'en fout. J'ai fait ça pour décorer ici, en fait. Donc voilà. Et donc, je ne montrerai pas pour le panneau coloré, vous pouvez aller voir sur internet, mais je vous mets le lien d'un site dans la description, et ce site-là, vous avez, vous allez dans panneau coloré, oups, vous allez dans panneau personnalisé, vous mettez la commande que vous voulez, enfin, ce que vous voulez, oui, dégage, ce que vous voulez avec des couleurs, et la couleur que vous voulez et tout. Ensuite, vous mettez générer la commande. Et vous copiez-collez la commande sur votre Minecraft. Donc ici, je n'ai pas assez de place. Donc on va se giver. Voilà.
Donc hop, et quand c'est fini, ben, vous activez le tout. Donc, comme je le disais, on active tout ça. Et hop, on a un panneau personnalisé. Et quand vous le mettez, et ben voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce petit deuxième tuto, tout minuscule, pour les panneaux personnalisés, voilà. Et vous avez blindé d'autres choses pour personnaliser votre monde, voilà. Vous pouvez même générer un monde à vous tout seul. Donc voilà, on passe au suivant. Alors pour celui-là, c'est encore avec le panneau bas sécurisé, qui est vraiment pas mal pour moi, je trouve, et une plaque de pression. Je vais tout simplement dessus et il y a marqué « Attendez 3 secondes, s'il vous plaît ». Donc moi, j'attends 3 secondes. Et là, boum, je me fais exploser, littéralement. Donc voilà, on passe au tuto de ce petit troll très, très, très simple. C'est parti. Vraiment, c'est le plus simple du monde. Vous avez votre panneau personnalisé, donc. On va aller chercher notre panneau personnalisé. Donc, notre panneau personnalisé. Je vais chercher un panneau tout court. Hein. Nous avons besoin d'une plaque de pression. Vous allez faire « slash ». Give votre pseudo, vous allez mettre Minecraft 2 points commande bloc comme ceci et vous allez recevoir un commande bloc. Donc vous mettez le commande, enfin vous avez aussi besoin de ça et de ça. Vous allez mettre votre panneau et vous allez oups, voilà, comme ceci par exemple. Et vous mettez un truc de redstone et ici vous mettez un bloc de commande, une TNT. Vous faites le TNT quand vous voulez. Vous faites slash dans le commande bloc say comme ceci et vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis attendez 2-3 secondes, SVP, 3 petits points, voilà comme ceci. Et en fait, la commande va faire que ça va mettre dans le chat. Donc je vais effacer le chat. Pour ceux qui sont sur PC, pour effacer le chat, c'est tout simple. Vous appuyez sur F3 et D en même temps. Et ça va effacer le chat. Par exemple, je marque ça. J'appuie sur F3 et D en même temps. Et ça efface. Donc voilà, mon piège est prêt. Et on va enlever tout ça. On va tester. Attendez 3 secondes, s'il vous plaît. Donc ben, moi, j'attends, voilà. Et là, boum! Il y a tout qui explose, à part le bloc de commande, car c'est un bloc indestructible, indestructible, même en créatif. On passe au sixième. Donc pour celui-là, c'est très simple, donc on a le numéro 6 de piège, et nous avons notre base personnalisée. Donc je vais rentrer dans la base personnalisée, et là, il se passe rien, d'accord. Donc, je la refais, désolé. Donc on est au numéro 6, et il y a base personnalisée, je vais dessus, et là... Boum. Imaginons que vous êtes dans une pièce fermée et là, ben... Ah d'accord. Oui, les panneaux qui ont tout bloqué. Mais bon. Voilà, en fait, il y a la lave qui coule partout et vous mourrez dans l'atroce souffrance. C'est parti pour le tuto. Donc pour le tuto, c'est tout simple. Vous allez mettre un piston plus le bloc que vous voulez. Vous allez mettre un bloc comme ça et vous allez mettre une torche de redstone. Vous allez mettre un répéteur. Vous allez creuser comme ceci. Voilà. Et vous allez mettre de la redstone comme ceci. Ici, vous allez mettre un truc et vous allez mettre de la lave. Et donc, vous mettez ici un répéteur et ici un répéteur à 3. Et vous faites descendre la redstone. Et ici, vous la faites passer comme ceci, ici. Oups. Ensuite, vous allez chercher une plaque de pression et vous la mettez ici. Oui. Oups, je me suis complètement trompé. Vous devez mettre là, voilà, comme ceci. Et vous mettez ça, vous mettez un répéteur et vous mettez ici. Vous mettez là, qui est déjà fait. Et vous n'avez plus qu'à cacher tout ça. Donc, quand tout est caché, vous appuyez et là, il y a la lave qui coule. Ah oui. Bon ben voilà, ce petit troll est bien sympa, et enfin, ce petit piège plutôt, et on passe au numéro 7. C'est parti. Alors pour ce dernier troll, ou petite blague entre vos amis, j'ai un bloc de diamant, encore une fois, qui est très simple à faire. Et donc, il va casser le bloc de diamant, et là, boum, c'est un petit troll, voilà. Il y a des milliards
Waouh. De poison et de dégâts qui viennent sur vous. Donc voilà. C'est très simple ce système en fait. Je vous le fais directement comme ceci. Donc. Alors, on va faire étape par étape. Donc on va casser ça et voilà. Donc, vous mettez une. Diamant, il me faut le diamant. Voilà, un minerai de diamant, vous le posez. Vous posez une torche qui va être alimentée avec un bloc. Enfin, un répéteur. Ce répéteur, vous allez mettre un bloc, un piston collant. Je dis bien collant. Collant, hein, vous mettez un collant. Vous mettez un bloc avec. Donc, on va casser ça, voilà. Donc, un bloc comme ceci avec un bloc par-dessus. Donc, normalement, ça doit vous faire ça. Et l'autre bout doit être lié à un truc avec poison. Donc, le poison et le dégât. Donc, le dégât instantané. Donc, on va le mettre. On va le dupliquer. Voilà. Et voilà. Donc, quand c'est mis, vous faites un petit système tout simple comme ceci. Il vous faut une torche de redstone. Et donc, vous faites un répéteur dans chaque sens. Et vous mettez une torche de redstone. Ensuite, vous allez casser et vite remettre. Comme ça, et ça va faire un système infini. Et ce système, vous allez le relier à ce truc-là. Donc, quand ça va être cassé, ça va faire tout ça. Donc quand vous allez casser ce bloc-là, ça va désactiver. La torche va se casser, ça va désactiver ça, ça va laisser passer et ça va vous envoyer des milliards de poison et tout. Donc, voilà. J'espère que ces 7 petits trolls vous auront plu et j'espère que vous réussiriez à faire ces trolls. Voilà, déjà la pluie qui m'énerve. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer au à l'annonce que je vais faire. Donc, pour ceux qui suivent beaucoup ma chaîne et qui veulent de nouvelles vidéos, car ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, ben pas du tout en fait. Vous allez être ravis. Pendant les vacances de Toussaint qui durent 1 semaine, je vais vous bombarder de vidéos. Vous devez me mettre dans cette vidéo, les vidéos que vous voulez que je fasse sur n'importe quel jeu, du Minecraft, des mini-jeux sur Minecraft, du Call of, du Clash of Clans, du peut-être Clash Royale. Et voilà, donc vous me le dites dans les commentaires de cette vidéo et celle que je pourrais faire, eh ben je mettrai un petit cœur à vos commentaires, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu car cette vidéo m'a fait beaucoup mais hyper méga plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos. Donc alors... je vais faire à peu près 1 vidéo par jour pendant les vacances de Toussaint qui dure 1 semaine. Et peut-être parfois 2 vidéos. 2. Avec tous vos jeux, je vous dis. 2 vidéos. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir. Parce que moi, ça me fait méga plaisir. On va casser ce petit set de trolls. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben, au revoir. Donc, avant de vous quitter, 2 minutes, je vous dis que je vais vous bombarder de vidéos. Mais quand je vous dis que je vais vous bombarder de vidéos, vous n'aurez même pas le temps de liker la première, qu'il y en aura déjà 8 qui seront sorties. Donc, en tout, ça fait à peu près 14 vidéos. Donc, le maximum que je peux faire, c'est 14 vidéos, et le minimum, c'est 7 vidéos. Donc, non, attendez, je me trompe. 7 vidéos, 5 vidéos. Voilà, 5 vidéos ou 10 vidéos. Et j'en ferai entre 5 et 10. Donc voilà. Je ne sortirai pas par jour, où il n'y aura pas d'horaire. Elles sortiront peut-être 3 par jour, 1 par jour, 5 une fois pendant la semaine. Ou voilà, il n'y a pas d'horaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Informez vos potes, demandez-leur de s'abonner, demandez-leur de liker mes vidéos, de mettre un petit commentaire, et je compte sur vous pour me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous voudriez que je fasse dans mes vidéos, mes prochaines à venir. Salut les gens!